Et voilà, donc nous sommes au volant donc de la Smart Electric Drive et au volant c'est notre ami Jean-Jacques Pierron qui est en train de se faire plaisir. Donc en compagnie de Twizy Rider à votre service. Voilà, donc là je vais prêter ma petite Smart pour que bah, qu'il juge un petit peu de la différence avec un Twizy. Ah, c'est différent hein. On voit ça sur l'autoroute. Ouais. Allez, mets-nous un petit coup de pouce là. Là, c'est 90 à l'heure. Non, là, tu pourras pas rouler trop vite parce que c'est une route qui est très étroite. D'accord. Et ça arrive à quoi là ? Un petit coup de boost. Ouais. Ah, il se fait plaisir. Hein. Ah, fais gaffe, là ça freine, ouais, parce que là c'est super raide. Et là tu vas voir, c'est très très sinueux et très étroit. D'accord. C'est vraiment de la route, de la petite route de campagne, ouais, quoi. Ouais, il n'y a pas trop de visibilité en fait, voilà, c'est pour ça. Mais c'est vrai qu'on évite à 130 avec cette bagnole là, donc. C'est impressionnant. Je vais mettre les lumières, mais c'est pas grave. Oh, ça c'est automatique. Ah, d'accord. T'as pas à toucher. Je joue avec les palettes. Voilà. Ah, c'est pareil, ce virage là il est raide. Ce virage là j'ai failli me tuer en moto. Ah ouais, oula. Ouais, je suis allé dans le talus. J'étais un petit peu optimiste. Là c'est sympa, là je vois rien. Ah oui, oui. Ah, là, c'est de la route idéale pour ce genre de petite voiture ludique. C'est pareil, tu feras attention. C'est bien raide. Il y a un S. C'est un circuit en fait. Voilà, c'est et ça. Faudrait le fermer en fait pour être sûr de pouvoir couper les virages. Ouais, hein. Tu mets une barrière au bout, tu fais bref. Bon, vous n'avez pas le faire en Tesla ça. Ah, voilà. Ah là, la largeur de la Tesla poserait problème ici. Hein. C'est sûr. Bon, en Smart, ça passe bien. Ça, c'est génial. Là, je me suis régalé. Ah bah ça. Oui. Tu vas pas dans les villages, bon, t'es chiant. C'est pour ça que je t'ai emmené. C'est pour ça que je t'ai emmené là. Au rond-point, tu prendras à gauche. D'accord. À gauche, hein. Ouais, ouais. Ah, c'est bon. Et hop. Et puis là, on va avoir une ligne droite, tu peux la pousser à fond. D'accord, ouais. Fais-toi plaisir. Allez, vas-y. Là, c'est du. Envoie la purée. Non, on s'en fout, vas-y, y a pas de radar. C'est bon. Vas-y. Ouais. Pied dedans. T'as pas mis le pouce là. Ah, ça y est, ben, ouais. Oh, j'ai un tapis dans mon pied, c'est pour ça. Voilà. Hop, c'est pas. Oh là là. Ça pousse, hein. Ah, ouais, ah, je suis à fond là. Hein. Oh putain, la vache. Ah, prends à droite, là. Voilà. Mais t'as vu, ça freine bien aussi. Hein. Et c'est bien, même qu'on roule vite, quand on sort, on peut ralentir facilement. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est... j'adore aussi. C'est la transition. C'est dingue, hein, ce bagnole-là, elle est complètement dingue. Avec une boîte, il faudrait machiner. Là, non, là, c'est instantané, c'est en permanence. Ça, t'as de la puissance en permanence. Voilà, c'est vraiment un plaisir total sur cette voiture. Quand en région parisienne, ils ont une promo sur les panneaux à 50 à l'heure. Hein. Ah oui, et puis les boss aussi, ils aiment bien. Oui. Les boss à piétons. Ah, chez nous aussi, il y en a pas mal. Hein. Oui. Ça pousse tout seul, ça. Bien voilà, bah, c'était notre petit essai de la Smart avec Jean-Jacques. Et puis, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à bientôt. Salut. Salut Jean-Jacques. Salut.